Comment améliorer la qualité de votre site web? Fixer les problèmes liés à l'ergonomie. Améliorer la performance de votre site web. Fixer les problèmes liés à la sécurité. Valider la compatibilité avec les navigateurs web. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez générer des revenus à partir de votre site Internet. Donc, si vous avez un site Internet et que vous remarquez que vous avez relativement un bon trafic, que vous avez assez de visiteurs, mais vous n'êtes pas en mesure de générer des ventes, voici quelques astuces qui peuvent vous aider à mieux débloquer votre site Internet. L'ergonomie. Donc, généralement, quand on parle de l'ergonomie, c'est l'adaptabilité de votre site web à différents types de plateformes, la possibilité pour le client de facilement naviguer à travers votre site Internet. Donc, si par exemple, vous ciblez des personnes qui sont constamment sur leur téléphone mobile et que vous avez un site web qui n'est pas adapté mobile, il y a une probabilité que la majorité de vos utilisateurs, quand ils arrivent sur votre site Internet, ne soient pas en mesure de compléter la commande ou bien de vous contacter. La performance de votre site Internet. Donc, généralement, un site Internet qui prend beaucoup de temps pour pouvoir s'afficher ne décourage les utilisateurs. Ça veut dire que vous devez vous rassurer d'optimiser votre site Internet pour que ça donne la possibilité aux utilisateurs de passer le moins de temps pour afficher les pages. Et vous avez par exemple les outils comme Lighthouse qui est sur votre navigateur web ou GTmetrix qui vous donne la possibilité de pouvoir analyser la performance de votre site web et mieux connaître le temps que chaque utilisateur passe pour être en mesure d'afficher des pages. C'est la sécurité. Donc, lorsque votre site Internet n'est pas assez sécurisé, parfois les gens ont peur de mettre leurs informations de contact ou leurs cartes de crédit. Ça veut dire que si vous vendez par exemple sur un site web et que les utilisateurs doutent de la sécurité de votre site Internet, vous pouvez avoir de la difficulté à faire des ventes. C'est la compatibilité de votre site Internet avec les navigateurs web. Donc, il y a des sites Internet qui ont tellement d'erreurs au niveau du navigateur et qui n'est pas peut-être compatible avec certains navigateurs, ce qui fait que lorsque les utilisateurs vont venir sur le site Internet, ils vont essayer de passer la commande, ils vont être bloqués à un certain niveau. Si vous avez besoin de services d'experts en développement des sites Internet ou d'optimisation des sites Internet, n'hésitez pas à nous contacter. Mon nom, c'est Gilles Blas.